tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit entraînement, on va travailler le cardio, on va travailler les fesses, les cuisses, les abdos, les bras, on va essayer de brûler du gras, ça va se durer en 15-20 minutes à peu près maximum, on va bien se dépenser. Avant de commencer l'entraînement, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous encourage, et partager au maximum nos vidéos. Pour l'entraînement, il n'y a besoin d'aucun matériel, il suffit d'avoir une serviette parce qu'il y aura 2-3 mouvements au sol ou un tapis de fitness si vous avez et puis on peut démarrer. Rien besoin de plus. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va commencer par petit footing pendant 30 secondes. Petit footing tranquillement. Histoire de s'échauffer, de mettre en route le corps. On se met à respirer, à sortir la poitrine. J'espère que ça va pour vous niveau santé. Les vidéos vous plaisent. Il reste 10 secondes. On pense toujours à bien inspirer, expirer. C'est vraiment important la respiration. Ok, on passe en jumping jack. On écarte les bras en même temps que les jambes. Toujours on souffle. 30 secondes comme ça. Si à un moment dans la vidéo vous pouvez plus suivre, n'hésitez pas à mettre pause pendant 30 secondes histoire de reprendre votre souffle et à continuer. Allez, encore 5 secondes. Ok, on se met en position squat, les pointes de pied vers l'extérieur, on va venir descendre les genoux vers l'extérieur. Allez, 30 secondes, pareil. Allez, encore. On pense bien garder le dos droit. On regarde en l'air. Le poids de corps doit être sur les talons. Allez. Ok, on va passer à boxe. On fléchit un peu les appuis. On va boxer dans le vide. Toujours les appuis fléchis, pas les jambes tendues. Si on a un peu d'énergie, on accélère. Que ce soit vivace. Allez, jambes. Bien fixe sur les appuis. On pense toujours à souffler. C'est le démarrage, c'est un peu tranquille. Après, ça va se complexifier un peu. Allez, on passe talons aux fesses sur place. On ramène le talon jusqu'aux fesses. Et on met bien le bassin en avant. Pas de bassin en arrière, bassin en avant. Poitrine sortie. On souffle. Et talons jusqu'aux fesses. Allez. Prochain exercice, on va se mettre au sol. Ok, on vient au sol. Bouge ses mains. On va faire des pompes. Si c'est trop difficile, on se met sur les genoux. Pompe sur les genoux. Les mains écartées, hauteur d'épaule. Ok. Si c'est trop facile, on se met sur les pieds. On inspire en descendant, on expire en montant. Difficile, genoux. Plus on rapproche les genoux des mains, plus c'est facile. Ok, on se lève. Montée de genoux. Et on enchaîne. Si vraiment vous ne pouvez pas sauter, si vous faites mal aux genoux, vous faites comme ceci. On monte bien haut. Sans footing en même temps. Allez. Toujours on pense à souffler. Il reste 6 secondes. Ok. Squat, box, squat, gauche, droite. Allez. On fait un squat et en montant à droite, à gauche. Ou à gauche, à droite, peu importe. Toujours le poids de corps sur les talons. Allez. Allez. On met de la vitesse, l'intensité. Si on peut aller beaucoup plus vite, on va beaucoup plus vite. Prochain exercice, on va au sol. Allez, go. Au sol, on pose ses mains. On vient ramener son genou vers la poitrine. Si vous ne pouvez pas ramener aussi rapidement, monte un par un. Le genou vers la poitrine. Allez. On pense bien à souffler.
Ok. On se relève, on va faire un pas chassé, on ramène le talon. Un pas chassé, on ramène le talon. Allez. On fait bien l'effort de ramener le talon. Allez, encore. Allez. On lâche pas. Ok, footing box. On se met en footing. On se vient souffler. Prochain exercice, on va encore au sol. On va travailler l'arrière des bras pour le prochain exercice. Donc le triceps, on va le tonifier, le muscler, le renforcer. Allez, on lâche pas. On se vient souffler. 3 secondes. Allez, au sol. Pompe, les mains serrées en triangle. Allez, si c'est trop difficile, sur les genoux. Comme ceci. Les mains bien rapprochées pour cibler l'arrière du bras. Allez. On rapproche les genoux si c'est trop difficile. Et si c'est trop facile, on passe sur les pieds comme ceci et on descend. Encore 5 secondes. Ok, on se relève. On va venir faire des fentes avant. Une fois droit, une fois gauche. Allez. On garde bien le dos droit. On regarde en face de soi, on regarde pas ses pieds là. Et surtout, on gagne les abdos. Allez. Toujours. Encore. Allez, 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 allez. Il reste 3 secondes. Ok. On vient mettre ses mains derrière la tête et on vient toucher le genou. On baisse légèrement le buste et le genou posé vient toucher le coude. Donc genou droit vient toucher coude gauche et genou gauche vient toucher coude droit. Allez. Là on vient travailler les abdos et les obliques sur le côté. Ok, c'est bientôt fini. Ok, maintenant on va faire des squats, on va chercher en haut, avec les bras. Donc faire des squats, ça nous fait travailler les fessiers et les jambes. Et le fait d'aller en haut, ça permet de mettre en activité les épaules aussi. Allez. On se met à souffler. Ok, c'est bien. Et encore 4 secondes. Ok, on va au sol. On vient mettre nos mains sous les fesses. On plie nos jambes. On fait ce mouvement. Les talons doivent raser le sol. Si c'est trop dur, ramenez vos talons juste ici. On ne va pas toucher le sol. On avance juste un peu. Si c'est trop facile, on va chercher en haut. On descend. Là, on vient vraiment cibler les abdos. On a encore 3 secondes. Allez. On se lève directement, on va venir faire fente arrière, coup de pied, fente, coup de pied, fente, coup de pied, allez, hop, allez encore, 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 allez 10 secondes encore, ça commence à bien chauffer la cuisse, ensuite on va changer de cuisse, et on fait toujours la même, allez, on travaille la jambe qui est devant là, on change de cuisse. Fente et coup de pied. Allez. Encore, encore. C'est nickel. On reste bien droit quand on descend. Allez. 10 secondes encore. Allez, on lâche tout pas, on continue. On donne tout. On pense bien à souffler. 2 secondes. On vient au sol. Les épaules au-dessus des mains, on vient écarter et rapprocher. Allez. On écarte, on rapproche, on écarte, on rapproche. Allez, on est bien gainé. Hein. On serre les abdos. Les épaules au-dessus des mains, encore 5 secondes.
Ok. Tu soussignes tranquillement pour récupérer son souffle. Allez, c'est bien. On va arriver à 10 minutes de travail. Encore 10 secondes de footing. Secondes, on va faire des petits sauts devant, derrière, devant, derrière. Si vous pouvez pas enchaîner trop rapidement, comme ça, n'hésitez pas à sauter doucement. Hop, on fléchit, on saute doucement. Allez, encore. Et encore 5 secondes. Ok, pas chasser, on vient toucher en bas. Hop, 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 allez. Allez, encore. On garde bien le dos droit en descendant. On a toujours les appuis fléchis. Allez, plus de 10 secondes, allez, allez, allez. On lâche pas. Après, on va au sol. Allez, on va au sol, on se met en position de gainage, on vient monter sur les mains. Si c'est trop compliqué, on se met sur les genoux, comme ceci. Et on passe des avant-bras aux mains, ok? Toujours en restant bien gainé. Allez, plus que 5 secondes. Ok, on passe debout, on va faire un squat, coup de pied, un squat, coup de pied, allez. On a fait pas mal de squats, on vient de travailler les cuisses et les fessiers. Allez, encore. Ensuite, on va retourner au sol. Allez, ok, on va au sol. On rapproche, on éloigne. On rapproche, on éloigne. Allez. Si vous ne pouvez pas le faire, faites un pied après l'autre. Comme ceci. C'est bon aussi. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. Après, si c'est difficile, vous faites comme ça. Si c'est trop facile pour vous, on saute. Allez. Trop difficile, on passe comme ça. On peut alterner. On revient debout. Footing, dumping jack plutôt, pardon. Et dumping jack. On écarte, on rapproche, on écarte, on rapproche. Le cadeau commence à bien monter normalement. Ensuite, on va venir refaire des fentes, mais en levant les genoux cette fois-ci. Allez, encore 5 secondes. On lâche pas. Allez, go. Squat, on lève les genoux. Allez. Au bout de 30 secondes, on change d'exercice. Après, on va venir faire des burpees. Sans pompe. Pour ceux pour qui c'est trop facile, on passe à la pompe. On va bientôt changer d'exercice. Allez, burpees. On ramène et on saute. Trop difficile, on amène un pied après l'autre. Allez. C'est l'avant-dernier exercice. Si c'est trop difficile, on fait comme je fais là. Si c'est trop facile, on fait comme ça. Allez, c'est bientôt fini. Trop difficile, on fait comme ça. Souffle bien. Ok. Dernier exercice, squat jump. Allez, squat, on descend bien et on saute. Si vous pouvez pas sauter, c'est pas grave, faites des squats normaux. Allez, on lâche pas. Nous, squat jump, allez. C'est la fin. Je vous bien les jambes, c'est normal. On souffle, dos droit, allez. Allez, on lâche pas. C'est bientôt fini.
Ok, génial. On va boire un coup, on aura bien transpiré ensemble. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Pardon, ça me fait bégayer. Si vous avez bien aimé, mettez un petit j'aime, partagez au max la vidéo et abonnez-vous. N'hésitez pas à faire nos autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.